Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons du cas de Sophie Hook, une petite fille âgée de 7 ans qui a malheureusement connu un tragique destin. Cette affaire est résolue et elle va être relativement courte, mais je la trouvais très intéressante, donc j'ai à tout prix voulu vous la faire sur cette chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, au mois de novembre, il y aura plusieurs vidéos longues. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Sophie Hook. Sophie Louise Hook, une petite fille née le 27 mai 1988 à Great Butterworth en Angleterre, a connu un tragique destin alors qu'elle n'était âgée que de 7 ans. Le 28 juillet 1995, l'adorable et souriante petite Sophie était heureuse d'arriver dans la ville de Llandudno dans le pays de Galles pour rendre visite à de la famille afin de célébrer l'anniversaire de son cousin. Cette journée d'été était très chaude, alors Sophie et ses cousins, qui jouaient dans une petite piscine gonflable pour enfants dans le jardin de la maison, ont tous enlevé leurs vêtements et sous-vêtements pour se rafraîchir. Les enfants ont tous à peu près le même âge, tout ceci était bien sûr innocent, rien de pervers là-dedans, aucun parent n'y a vu de mal puisque c'est la famille, ce sont des enfants, et ne se sont pas doutés que peut-être une personne mal intentionnée pouvait être tapie dans l'ombre pour observer les enfants d'un regard malsain. Plus tard dans la journée, les enfants avaient prévu de faire un feu de camp et de dormir dans des tentes dans le jardin pour faire une petite soirée camping improvisée. C'était l'événement que tous les enfants attendaient avec impatience, celui qui allait clôturer cette journée parfaite d'été. Ce que personne ne savait, bien sûr, c'est que pendant que les enfants jouaient insouciants dans le jardin, un homme avait commencé à les observer depuis un chemin adjacent. Comme vous le voyez sur l'image, il y a une grande haie qui se situe à gauche, qui est très épaisse, relativement bien taillée. Eh bien, l'homme s'est justement caché dans cette haie pour y voir à travers les enfants qui couraient nus dans le jardin. Toutefois, il n'a pas seulement vu les enfants. Il a aussi facilement pu entendre les conversations de la famille et savoir que les enfants qu'il observait à ce moment-là allaient dormir seuls dans le jardin. Et vous vous doutez que quelqu'un déjà qui se cache dans une haie pour observer des enfants courir nus a généralement derrière la tête des idées clairement pas fameuses, très malsaines, et le fait de savoir maintenant que ces enfants dormiront seuls la nuit dehors va réveiller en lui ses fantasmes les plus tordus. C'est avec justement un fantasme pervers à l'esprit que les cris excités des enfants l'ont convaincu à réaliser ses mauvaises intentions. Bon, vous vous en doutez, tandis que l'homme était accroupi dans les buissons à la vue de ceux qui passaient sur le chemin, de nombreux témoins ont pu voir ce dernier et se demandaient justement ce qu'il faisait là. L'homme avait même tenté d'éloigner les soupçons lorsqu'il s'est adressé à une femme qui était là pour promener son chien, en lui expliquant qu'il cherchait de l'argent qu'il avait perdu dans les buissons. Ça semble un petit peu étrange, mais après tout, pourquoi pas? L'après-midi, puis la soirée est passée, lorsque les quatre enfants se sont installés dans leur camping aménagé avant de se coucher à l'intérieur de la tente qui allait être leur lit pour la nuit. Enfin, pour la nuit, sauf pour un enfant qui, vers minuit 20, a décidé de dormir dans la maison, laissant les trois autres, dont Sophie, dans les tentes. L'oncle de Sophie, qui était le propriétaire de cette grande maison, a été jeté un petit coup d'œil dans le jardin pour voir, eh bien, si les enfants allaient bien, si personne ne voulait rentrer, s'ils n'avaient besoin de rien, et il l'a fait une vingtaine de minutes plus tard, soit vers minuit 40. En voyant que tout allait bien, eh bien, il est parti à son tour se coucher dans la maison, laissant évidemment la porte arrière, eh bien, ouverte au cas où l'un d'entre eux déciderait de rentrer, que ce soit pour dormir ou simplement pour aller aux toilettes ou pour manger quelque chose. Et c'est de cette manière que cette nuit au camping, entre guillemets, s'est déroulée.
Deux heures plus tard, vers 2h30 du matin, l'un des cousins de Sophie s'est réveillé, a vérifié l'heure et a constaté que tout le monde était encore dans la tente, dont Sophie qui était endormie entre lui et sa sœur. Durant cette nuit, vers 2h05, donc à peu près au même moment, hein, juste un petit peu plus tôt, l'homme dont je vous parlais a été interpellé par des policiers qui patrouillaient sur la promenade de la ville. Ils se méfiaient de la raison pour laquelle cet homme marchait à une telle heure, seul dans la rue. Toutefois, eh bien, l'homme de 31 ans, identifié comme Howard Hughes, qui est un jardinier au chômage, n'a commis aucun crime, puisque eh bien, se promener seul la nuit n'en est pas un. Il a donc été laissé par les policiers après qu'ils aient posé quelques questions. La nuit s'est ensuite passée, la cousine de Sophie a été la première à se réveiller aux alentours de 7h15 du matin. Elle a été étonnée de voir que sa petite cousine, Sophie, n'était plus du tout à l'intérieur de la tente. Elle s'est en premier lieu dirigée à l'intérieur de la maison en se disant que celle-ci a peut-être eu peur, froid dans la nuit, qu'elle avait faim, ou bref, une multitude de raisons pour lesquelles Sophie avait pu rentrer à l'intérieur du domicile. Mais malheureusement, eh bien, sa cousine ne l'a pas trouvée non plus. Inquiète, elle a rapidement prévenu les adultes sur place, qui, après avoir cherché Sophie sur la propriété, l'ont portée disparue à la police vers 8h20 le matin. En effet, la petite était complètement introuvable. Elle était ni à l'extérieur de la maison, ni à l'intérieur, et toute la famille était terrifiée quant à ce qui aurait pu arriver à l'enfant de 7 ans. Mais malheureusement, eh bien, sans que la famille de Sophie ne le sache, une heure plus tôt, le corps nu de la fillette avait été retrouvé sur une plage à moins d'un kilomètre de la maison. C'est vers 7h10 que Sophie avait été retrouvée par un homme nommé Jerry Davis qui promenait ses deux chiens ce matin-là. Jerry avait d'abord cru que le corps de l'enfant était simplement un mannequin qui était échoué sur la plage, mais eh bien, il a rapidement compris que quelque chose n'allait pas lorsque ses chiens se sont comportés de manière étrange autour de ce fameux mannequin. L'homme qui s'est approché n'a pu que constater la mort de l'enfant. Il a enlevé son propre t-shirt pour le poser sur le corps nu et sans vie de l'enfant avant de se précipiter vers une cabine téléphonique voisine pour prévenir les autorités. Jerry Davis a plus tard assisté aux funérailles de Sophie à la demande des parents de cette dernière qui voulaient le rencontrer. Et encore aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, il a refait une interview en déclarant qu'il était toujours traumatisé d'avoir découvert ce corps sans vie. Lors de l'autopsie de l'enfant, le médecin légiste Donald Waite a révélé qu'elle avait été soumise à une attaque impliquant une force considérable qui avait entraîné la rupture du haut du bras et de la cheville droite de Sophie. Le fait que son corps était complètement couvert d'ecchymoses, compatible avec l'appréhension de l'enfant à la main, et que des ecchymoses autour de sa tête et de son visage étaient compatibles avec des coups de poing ou encore des gifles, montre à quel point l'enfant avait subi l'horreur des mains de son bourreau. Sophie avait souffert d'hémorragie interne et avait été violemment agressée sexuellement. La majorité de ses blessures étaient comparables à celles normalement subies par des personnes tuées ou grièvement blessées dans de graves accidents de voiture, déterminant que toutes ces blessures avaient été subies alors qu'elle était encore en vie. Le médecin légiste a déclaré que pendant l'attaque, elle avait tellement souffert qu'elle avait mordu sa langue, laissant des marques de dents des deux côtés de celle-ci, ainsi qu'à l'intérieur de sa lèvre inférieure. La mort a été causée par strangulation, une strangulation qui a duré environ 3 minutes des mains de son bourreau, après quoi son corps a été jeté à la mer. Alors là, on ne sait pas pourquoi, sûrement pour se débarrasser du corps, ou pourquoi pas enlever un maximum de preuves sur l'enfant. Elle a été jetée près d'une falaise appelée la Petite Orme, à l'extrémité de la promenade de Landuno. Évidemment, en apprenant toute l'horreur que l'enfant avait subie, tout le monde était choqué et apeuré qu'un tel criminel rôde dans les parages. L'ambiance était lourde et pesante pour cette petite ville, et je n'ose imaginer l'enfer qu'a dû vivre toute sa famille et ses parents de se rendre compte qu'après une après-midi géniale, eh bien leur enfant a été sauvagement assassiné. La chemise de nuit Winnie l'ourson qui était rose et blanche de Sophie, sa culotte ainsi qu'une paire de chaussettes n'ont pas été trouvées au moment de l'enquête. La mère de Sophie, Julie, a déclaré dans une interview écrite qu'elle et son mari, Chris, avaient inculqué pourtant à Sophie l'importance de ne pas parler avec des inconnus et de ne surtout pas partir avec des étrangers.
De ce fait, ils étaient persuadés que la personne avait kidnappé de force l'enfant et qu'elle n'avait pas pu suivre d'elle-même quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Heureusement, il n'a pas fallu longtemps avant que les forces de l'ordre ne mettent la main sur le coupable, sur l'horrible monstre qui a fait tant de mal à la petite Sophie. Howard Hughes a été arrêté à son domicile qu'il partageait avec sa mère à 15h50, le jour même où le corps de Sophie a été découvert. Donc c'est aussi pour ça que la vidéo ne va pas durer longtemps puisque l'enquête a été extrêmement rapide. Toutefois, l'homme qui refuse d'avouer quoi que ce soit et le fait qu'il n'y avait pas assez de preuves pour accuser Howard du meurtre de la petite, eh bien les policiers n'ont pas eu le choix que de le libérer au matin du 3 août 1995, soit 2 ou 3 jours après son arrestation. Mais je vous rassure, le périple de Howard ne s'arrête pas là pour autant, puisque peu de temps après, il a de nouveau été arrêté à 15h le même jour où il a été libéré pour, cette fois-ci, possession d'images indécentes d'enfants. Ces images avaient heureusement été trouvées lors d'une perquisition de sa maison, et ce n'est pas tout, puisque les agents sur place avaient également trouvé toute une collection de sous-vêtements féminins cachés dans un mur de pierre, et nul besoin de vous préciser que ces sous-vêtements étaient de taille enfant. En l'espace de 7 heures seulement, il a été accusé du meurtre de Sophie Hook avec une déclaration de police citant que cette évolution était sur la base d'informations supplémentaires et s'est retrouvé en détention provisoire en attente de son procès. Après 4 jours infructueux d'interrogatoire par la police, Howard Hughes a appelé son père alors qu'il était toujours en détention et a avoué son meurtre à ce dernier. Je l'ai fait, papa. Je dois le dire à quelqu'un. Howard aurait poursuivi en décrivant comment il était allé se cacher dans la haie du jardin de la famille Hook pendant tout le samedi après-midi, puis comment il était revenu après 2 h du matin en s'approchant de la tente où Sophie et ses cousins dormaient. J'ai persuadé la petite fille d'aller avec moi à la plage. Je suis sexuellement frustré depuis 1990, alors je l'ai prise avec moi. Nous sommes allés à la mer et la fille s'est mise à crier. J'ai donc mis ma main sur sa bouche, je l'ai gardée là jusqu'à ce qu'elle s'arrête. J'ai enlevé tous ses vêtements et j'ai jeté son corps dans la mer. Cette déclaration n'avait certes peut-être pas été faite au policier, mais à son père. Cependant, ce dernier est venu au poste de police et s'y est rendu de lui-même pour dénoncer ce dernier, tout en espérant, en tant que père évidemment, que son fils disait que des bêtises, que c'était un mensonge et que c'était pas lui qui avait tué l'enfant. Malheureusement, en dénonçant son fils, ce qu'il a très bien fait, hein, évidemment, eh bien, il a aussi condamné son fils à la prison. Ceci dit, pour Gerald Hughes, il était impensable de couvrir son fils pour un acte aussi odieux. Mais avant de poursuivre, voici un bref portrait de Howard, le monstre qui s'en est pris à la petite Sophie sans défense. Howard Hughes est né le 9 juin 1965 à Llandudno, au Pays de Galles. Des parents Gerald et René Hughes, il avait 3 sœurs aînées et son père était un ingénieur civil ainsi qu'un homme d'affaires notoire très respecté dans la région. Son père, qui exploitait une entreprise de sous-traitance et d'extraction prospère, a pu mettre sa famille à l'abri de la pauvreté. Toutefois, le jeune Howard avait toujours été un garçon avec quelques particularités. Il est d'ailleurs né avec une particularité des chromosomes sexuels XY, puisqu'il avait 3 chromosomes XYY, ce qui l'a fait grandir à un rythme inhabituel, atteignant la taille d'1,83 m à l'âge de 11 ans seulement, et la taille impressionnante de 2,07 m à l'âge adulte. Alors, je fais une petite parenthèse pour expliquer cette histoire de chromosomes. C'est en gros ce qu'il se passe pour les personnes intersexes. Je vous mets donc un copier-coller de Wikipédia que je vais vous lire, hein, évidemment, pour que vous compreniez bien ce que c'est. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, hein, libre à vous, voici le timecode pour passer cette petite parenthèse et repartir directement dans l'histoire. Donc, d'un angle biologique, et pour distinguer un homme et une femme, il existe 5 critères pour identifier le sexe d'un individu à sa naissance: les chromosomes, les hormones, les gonades, les organes sexuels internes et les organes sexuels externes. Le concept d'intersexualité porte sur l'analyse de la biologie humaine en s'appuyant sur des principes véridicts.
Par exemple, il y a des hommes naissant avec des caractéristiques physiques féminines et des femmes naissant avec des caractéristiques physiques masculines. Il existe des variations où l'un des chromosomes sexuels est en double, voire en triple, par exemple le syndrome 47XYY et le syndrome de Klinefelter, qui est un phénomène qui affecte les garçons ayant un chromosome X supplémentaire, donc XXY au lieu de XY. Les garçons naissent et demeurent infertiles pour le restant de leur vie. À l'adolescence, ils peuvent avoir une poussée mammaire, un corps plus grand que la moyenne, peu musclé et avoir des organes génitaux peu développés. Parfois, seulement une certaine proportion des cellules de l'individu sont affectées par une variation atypique des chromosomes sexuels. On parle alors de chromosomes sexuels en mosaïque et d'autres variations ne sont pas du tout liées aux chromosomes. La sensibilité complète ou partielle aux androgènes chez les personnes XY30, l'hyperplasie congénitale des surrénales, les hypozadias, l'absence de vagin et ou d'utérus chez les personnes XX, ou encore les taux d'hormones atypiques, comme c'est le cas dans le syndrome des ovaires polykystiques, qui souvent peuvent entraîner des caractères sexuels secondaires atypiques, et dont des personnes XX, à la base des personnes XX sont donc des femmes biologiquement, présentant une pilosité faciale importante, ou des personnes XY, donc des hommes biologiquement, qui présentent une poussée mammaire. Les chromosomes sexuels ne sont donc pas du tout un bon critère pour déterminer le sexe ou le genre d'une personne. La puberté est un meilleur critère pour les déterminer, et l'adolescence est d'ailleurs la période auquel les adolescents intersexués peuvent envisager le changement de genre du coup à une certaine dysphorie. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous auriez mieux compris. Et donc, Howard faisait partie de cette catégorie. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, il était une personne intersexe qui avait eu donc beaucoup de problèmes lors de son adolescence. Il n'a pas évolué de la même façon et il souffrait également de problèmes de comportement, de troubles d'apprentissage et de dyslexie. Bref, la vie n'a pas fait énormément de cadeaux à Howard. Le père de ce dernier a d'ailleurs payé des sommes énormes afin qu'il fréquente des écoles privées dans l'espoir, selon ses mots, qu'il serait en mesure de faire quelque chose de lui, en raison de son comportement décrit comme violent. En effet, ce dernier s'en prenait régulièrement à d'autres élèves, pouvait se montrer insultant, perturbateur et violent. Bref, le genre d'élève dont les écoles se passeraient bien, d'autant plus des écoles élitistes. Lorsque l'adolescent a été renvoyé après seulement 2 semestres par le Lindisfarne College à Wednesday, son père a proposé, mais malheureusement sans succès, de payer le double des frais normaux s'il le gardait comme élève. Sachant que j'avais déjà regardé vite fait le prix des universités en Angleterre lorsque je voulais y aller, c'était environ 15 000 à 20 000 livres l'année. Donc je suppose que pour des écoles privées, ça doit être un petit peu près le même tarif, si ce n'est plus. Donc s'il propose de payer le double et qu'en plus de ça, l'école refuse de le prendre, j'imagine qu'il devait vraiment être un enfant très perturbateur, voire violent, parce que c'est quand même s'asseoir sur un sacré paquet d'argent juste pour ne pas l'avoir parmi eux. À défaut de pouvoir retourner à l'école, eh bien Howard a été envoyé dans une école pour enfants instructuraux sur le plan éducatif et n'a obtenu aucune qualification à la suite de son cursus. Et pour la petite explication, sur le plan éducatif, les enfants instructuraux, comme ils les appelaient, étaient un terme utilisé historiquement au Royaume-Uni pour désigner les enfants ayant des capacités intellectuelles très limitées. Tout au long du XXe siècle, la politique éducative britannique s'est toujours concentrée sur la séparation de ces enfants de l'ensemble de la population scolaire, et ils étaient souvent considérés comme incapables d'amélioration significative. Les enfants placés dans cette catégorie étaient de manière disproportionnée des garçons, issus de ménages moins aisés et de familles immigrantes, sauf pour Howard, hein, qui était pourtant issu d'une famille très aisée, une famille qui était pourtant bien réputée, et pourtant, eh bien, ça ne l'a pas empêché d'être un petit peu le canard noir de la famille. En 1981, lorsque l'adolescent a atteint l'âge de 16 ans, il a emmené un petit garçon de 7 ans seulement dans une maison délabrée où il s'est exhibé et a fait des suggestions indécentes avant de tenter d'étrangler sa victime. Heureusement, le garçon était rusé et a fait semblant d'être mort jusqu'à ce que son bourreau parte de la maison. Et il a enfin pu s'enfuir et dénoncer justement Howard. L'adolescent a été reconnu coupable d'avoir agressé l'enfant et s'est retrouvé placé sous une ordonnance de surveillance de la santé mentale
pour une durée de 2 ans et a dû être placée pendant un temps dans un hôpital psychiatrique en vertu de la loi sur la santé mentale. Sauf que ce petit voyage en hôpital psychiatrique a duré un petit peu plus longtemps que prévu. À l'âge de 19 ans, Howard, qui avait déjà plus de 17 condamnations au compteur pour des crimes tels que des voies de fait, des cambriolages, des vols, des dommages criminels, des comportements menaçants, des infractions au vol à moteur et à la possession d'armes, rien que ça, n'avait fait que décevoir ses parents, leur avoir mis un petit peu la honte hein, sur la famille, surtout à cette époque. Il lui restait que très peu de proches à ses côtés. Et pourtant, eh bien, il n'a visiblement jamais songé à réellement se ranger du côté de la loi. Une fois libéré des hôpitaux psychiatriques, le jeune homme est retourné vivre avec sa mère, qui s'était récemment séparée de son père, et bien qu'il s'est trouvé des petits jobs, il n'est jamais parti du domicile familial. Avant l'année 1995, où il s'en est pris à la petite Sophie Hook, l'homme avait donc déjà 2 peines d'emprisonnement derrière lui. À l'adolescence, il avait purgé 3 mois dans un centre de détention pour mineurs pour des infractions automobiles, et ensuite, à la fin des années 1980, il avait purgé 7 mois dans une prison pour adultes pour un vol. Howard avait également été accusé d'avoir agressé de manière indécente des filles âgées de 3, 5 et 9 ans, et la police a révélé que, au cours des 3 années précédant le meurtre de Sophie Hook, elle l'avait déjà interrogé dans le cadre de 5 allégations contre sa personne. Donc comme vous le voyez, Howard avait déjà un lourd passé criminel. Il n'était clairement qu'une bombe à retardement avant que quelque chose de plus grave n'arrive. Et d'ailleurs, potentiellement qu'il avait agressé d'autres petites filles ou d'autres enfants en règle générale avant Sophie Hook, mais qu'on ne l'a jamais su, puisque ses enfants ne l'ont soit jamais dénoncé. Soit ils sont peut-être même morts et ils n'ont jamais été retrouvés. Bref, on ne sait pas, mais il est quand même fort à parier que Howard avait au moins commis d'autres actes criminels de ce type avant Sophie. Howard Hughes a donc été jugé à la Chester Crown Court le 24 juin 1996 et a donc été accusé d'enlèvement, de viol et de meurtre sur la petite Sophie Hook. Le jury n'a entendu aucune preuve médico-légale reliant l'homme à la mort de la fillette, puisque, eh bien, malheureusement, puisque son corps a été pendant une longue période, enfin une longue période, on ne sait pas, mais il a été jeté dans l'eau de la mer. L'eau de la mer, on sait qu'elle est salée, et probablement que ça a enlevé un maximum de preuves sur le corps de la petite fille. Mais tout de même, le jury a reçu des informations précieuses de la part de 3 témoins distincts. Alors quand bien même 2 des témoins sont des criminels et que potentiellement on peut remettre leurs paroles en doute puisque c'est fort probable qu'ils veuillent témoigner contre quelqu'un pour avoir de l'autre côté une réduction de peine ou un meilleur traitement en prison, c'est malgré tout ces 3 témoignages qui ont été pris en compte pour inculper le jeune Howard Hughes. Dans ces 3 témoins, il y a Jonathan Carroll, un criminel âgé de 30 ans qui était en prison au moment où il a témoigné, et qui a déclaré au jury qu'il avait vu Howard porter un sac en jute le long d'une rue la nuit du meurtre de Sophie, et qu'il avait aperçu un corps nu dans le sac. Jonathan Carroll a lui-même admis qu'il était en train de voler des biens dans le jardin d'une maison lorsqu'il a vu cela se produire. Un autre témoin, Michael Giddy, délinquant sexuel pour enfants condamné, a témoigné que Howard s'était vanté auprès de lui quelques années auparavant, qu'il aimerait bien violer une petite fille de 4 ou 5 ans. Il avait également été associé à une série d'attaques sexuelles contre des enfants qui n'ont jamais été portées au tribunal, comme je vous l'avais dit, les fameuses accusations d'avoir agressé des enfants de 3, 5 et 9 ans. Il est également apparu que l'après-midi du jour où il avait aperçu Sophie, il aurait également tenté d'enlever Alexandra Roberts, une enfant de 6 ans qui s'amusait à faire des poiriers dans un parc à moins de 4 minutes à vélo du jardin de Sophie, mais heureusement, la jeune fille est parvenue à s'enfuir à temps. C'est le 18 juillet 1996 que le jury a rendu un verdict de culpabilité sur les 3 accusations portées contre Howard Hughes. L'assassin de 31 ans a ensuite été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité et ne sortira donc jamais de prison, pour le plus grand bien de toute la communauté. Le juge Curtis a recommandé qu'il ne soit jamais libéré de prison, considérant que ce dernier ne pourrait jamais changer,
et que malgré la prison, il recommencera quoi qu'il en soit tous ses actes en sortant. Howard Hughes n'aurait peut-être jamais été reconnu coupable de Sophie Hook sans la confession qu'il a faite à son père, et ça a été l'erreur qui lui a causé la prison pour le plus grand bonheur des proches de la victime. Et après l'annonce du verdict, l'agent de police Jones a fait l'éloge de Gerald Hughes, donc le père de Howard, en disant ceci. C'est un homme d'honneur qui a fait une chose très courageuse. Il a dû fouiller sa conscience pendant très longtemps, mais il a trouvé la bonne réponse. Le père d'Howard, qui connaissait en plus de ça la famille de Sophie, s'est senti humilié et a toujours espéré que cela ne soit jamais arrivé. Le 5 septembre 1997, la cour d'appel a donné à Howard Hughes la permission de faire appel de la condamnation pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de Sophie Hook. 6 mois plus tard, il a suscité une nouvelle indignation en lançant une demande d'indemnisation de 50 000 livres contre le foyer pour enfants de Bryn-Eystein, où il a affirmé qu'il avait été maltraité lorsqu'il était enfant. Évidemment, 2 semaines plus tard, la cour d'appel a rejeté la tentative de l'homme de faire annuler ses condamnations. Le deuxième appel de Howard a eu lieu le 4 septembre 2001, mais la cour d'appel a de nouveau décidé qu'il n'y avait aucun motif pour que ses condamnations soient annulées, et les juges qui ont pris la décision ont également statué qu'ils ne permettraient plus à Howard de contester davantage ses condamnations, à moins que de nouvelles preuves ne soient présentées, ce qui ne risque clairement pas d'arriver, et donc Howard Hughes passera le restant de ses jours derrière les barreaux, et franchement, c'est pas plus mal comme ça. Et c'est donc tout pour l'affaire de Sophie Hook et de Howard Hughes, j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous, et surtout qu'elle vous aura intrigué. J'ai trouvé cette affaire forcément extrêmement triste, ça m'a vraiment peiné pour les proches de Sophie, et également pour Sophie elle-même, bien sûr, elle a vécu un enfer des mains de son bourreau. Et petite fun fact, si cette affaire m'a vraiment encore plus intrigué, c'est parce que l'homme, le coupable, Howard Hughes, on dirait le portrait craché vieilli d'un ami à moi qui vit aux États-Unis, qui est américain. Et lorsque j'ai vu la tête de cet homme, je me suis dit, waouh, on dirait mon ami avec, je sais pas, 10, 20 ans de plus, quoi. Du coup, j'ai trouvé un petit peu ça drôle, ça m'a interpellé. Et quand j'ai lu ensuite l'affaire, je me suis dit que c'était vraiment effroyable le calvaire que Sophie avait vécu. Et c'est ce qui m'a donné envie de vous raconter toute cette affaire. Donc, j'espère en tout cas qu'elle vous aura autant intrigué que moi. Et désolé pour tous ceux qui n'aiment pas les affaires qui parlent d'enfants et tous ceux qui aiment les longues affaires. Je sais que celle-ci risque d'être relativement courte, mais je la trouvais vraiment très intéressante. Et pour une fois, eh bien, ça change un petit peu de toutes les affaires qui se déroulent aux États-Unis. Donc forcément, une grande partie des affaires de true crime se déroulent aux États-Unis. C'est un pays où il y a énormément de criminalité et où on arrive à avoir un maximum d'informations. Il y a parfois des crimes qui se passent ailleurs dans le monde où c'est dur, hein, franchement, de trouver des articles, si ce n'est parfois on va trouver 10 articles qui parlent, enfin qui disent exactement la même chose, avec soit juste des tournures de phrases différentes, ou juste des fois c'est clairement des copier-coller, hein, franchement. Donc des fois c'est vrai que c'est frustrant parce que on aimerait aussi vous faire des autres affaires qui se passent un petit peu partout dans le monde, mais on ne peut pas toujours le faire. Manque de contenu, manque de matière pour faire des vidéos. Donc souvent ces petites histoires, je les garde de côté pour faire de longues vidéos ensuite avec plusieurs petites histoires parce que je sais que vous aimez ça. Mais bon, ça prend aussi également du temps, donc ce n'est pas toujours possible à faire. Donc j'espère que cette affaire, aussi courte soit-elle, vous aura quand même plu. C'était long, hein, pour dire ça. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'être ici. À très bientôt. Ciao.